Hey yo les gens, c'est Drak Survie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui on va aller sur la collab de Dragon Ball qui est sortie ce matin. Bien sûr, on va parler des collabs, de la collab et puis tout ça. Il y a, je pense, pas mal de TikTokers et je pense de streamers qui vont faire des vidéos dessus. Alors moi je vais parler avant tout, je vais parler de mon satisfait et de des choses qui auraient pu être autrement. Clairement c'est une collab et c'est vrai que je pensais qu'ils allaient faire autrement et c'est vrai que bah il y a certaines choses qui me contrarient. Donc je vais vous mettre le jeu donc avec Dragon Ball, Piste 1, Fortnite. Alors donc comme vous le voyez, nous avons notre cher Dragon Ball qui est arrivé. Donc il y a Vegeta, Kakarot, donc Goku. Nous avons Pyrrhus et Bulma qui sont arrivés sur Fortnite. Et pas mal de petites choses ont changé, comme le DBD Bugle qui a clairement changé. Alors je vais vous parler un peu de ça. Alors moi j'appelle ça un pass de combat secondaire. Alors autre chose... Peut-être d'autres personnes vont dire oh bah c'est juste pour les quêtes. Alors oui, c'est pour les quêtes, mais ce qui est intéressant à voir, c'est que dans tout ça, il n'y a pas vraiment de skin en fait. C'est surtout secondaire, c'est surtout des emotes ou des petites étiquettes, comme je les appelle, et de l'XP. Alors un gain d'XP, c'est quand même pas mal, mais il y a autre chose au-dessus, comme vous le voyez, il y a quand même Shenron où on peut gagner et il faut les 7 boules de cristal. Comme vous le voyez, j'en ai déjà une parce que j'ai déjà fait quelques quêtes. Je vais vous montrer les quêtes. Mais moi, j'aurais préféré qu'à la place qu'ils mettent des trucs comme ça, voire faire un truc beaucoup plus long, ils auraient pu mettre par exemple des skins, par exemple secondaires, un peu comme Gohan, Trunks ou clairement Chichi ou des trucs comme ça, des personnages de Dragon Ball comme Piccolo ou des trucs comme ça. Ça aurait été beaucoup plus sympa, parce que clairement, bon, c'est vrai qu'on connaît beaucoup Goku. Pour ceux qui connaissent beaucoup, qui l'ont suivi de A à Z, je pense que depuis qu'il est tout petit jusqu'à maintenant, depuis qu'il est qu'il a son Super Saiyan divin, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sympa. Entre Vegeta qu'on connaît maintenant depuis un moment, qui est clairement passé de méchant à un gars avec... qui devient papa et puis que voilà, qui bon, toujours colérique, toujours à vouloir se battre contre Goku, c'est vrai que c'est toujours machin. Bulma, voilà, on a Bulma et le dieu de la destruction, Pyrrhus, qui est clairement, je pense, beaucoup. Je pensais pas qu'ils allaient mettre Pyrrhus, mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'ils aient mis qu'une femme. Ils auraient pu mettre Chichi, clairement. Ils auraient pu mettre Chichi, mais bon, on peut pas deviner. Moi ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils aient mis des skins. Alors bon, moi j'ai pris Goku. Alors j'ai pas pris l'édition machin parce que sinon c'est trop cher. Donc j'ai préféré prendre Goku et le nuage magique qui est clairement plus stylé. Et il y a quand même pas mal de petites choses comme la navette plus la coquille de tortue plus le bâton du tortue génial et la danse de fusion. Donc pour ceux qui connaissent, c'est fusion et faut être à deux. Donc voilà, donc pas mal de petites choses. Moi j'ai pris le nuage magique parce que le nuage magique est pas mal. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Après bon, ça change pas trop grand chose en fait. Il y a juste 2-3 choses. Par exemple Goku, il a son Super Saiyan divin avec les cheveux gris. Et Vegeta a juste le Saiyan bleu. Et le Saiyan bleu un peu plus foncé. Alors je sais pas si c'est vraiment évolution du Super Saiyan. Parce qu'on sait qu'il y a Super Saiyan bleu et Super Saiyan... Alors moi, je savais même pas qu'il y avait bleu plus foncé. Alors c'est un peu dommage. Donc voilà, Goku a quand même un style un peu plus à lui. Avec une transformation où vous pouvez vous faire vous-même, clairement, qui est clairement plus sympa. Par exemple, voilà.
Donc voilà, un petit truc qui est plutôt sympa. Pareil, sur la map, Lazy Ganon a changé. Donc Lazy Ganon a changé. Il y a pas mal de petits trucs qui ont été mis. On a la Kaminoons qui est arrivée. Il y a pas mal de petites choses qui ont été mis à droite à gauche. Nous avons les quêtes qui sont arrivées là. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà la première boule. La deuxième, alors moi j'aurais préféré par exemple qu'à la place de nous les filer, ils auraient pu nous envoyer les chercher. Par exemple, ça nous aurait mis par exemple de l'énergie et par exemple, je sais pas, un truc, un point, pof, ça nous dit tiens voilà, allez chercher la boule à cette zone là. Et c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus sympa. Moi c'est mon opinion hein, mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un truc comme ça. Et vous avez des entraînements de combat. Alors là, bon, c'est un peu plus compliqué. Il faut quand même lancer un combat, machin. Il faut réussir à gagner. Et puis tout le tralala. Et voilà, il y a quand même pas mal de petits défis. Là, par exemple, on a ouvrir une capsule de machin. Alors ça, ça se débloque sur la map au moment qu'on se lance. Acheter au distributeur. Ça c'est assez simple. Et quand vous allez par exemple soit à la une capsule ou voir Bulma, en fait vous allez avoir un Kamehameha et le nuage magique où vous pouvez vous déplacer, qui est quand même beaucoup plus sympa. Et vous pouvez par exemple, le Kamehameha est complètement pété. Moi je trouve qu'il est pété hein. Mais c'est vrai que je voudrais tenter par exemple le Kamehameha contre Vador, parce que c'est vrai que Vador, ben pour le moment, il est quand même pété. Je trouve qu'il est pété. Donc on va tester, on va voir si ça marche bien. Et on a les quêtes relax. Bon bah ben, là par exemple je suis à étape 2 sur 4. Donc ça c'est basique je pense. Donc voilà. Donc il y a pas mal de petites choses et par exemple là on a quand même des skins qui ont été rajoutés. Donc je pense qu'il y a quand même Goku qui a été rajouté et puis des trucs comme ça. Donc après faut les trouver. Donc on va se lancer en game. Alors je vais me retransformer en normal. Pour la peine je vais vous montrer les transformations. Dommage qu'il n'y a pas son aura de Super Saiyan divin, mais je pense qu'avec les avancées, en fait, avec les avancées, par exemple, à la concentration du ki, je pense que quand vous vous transformerez en Super Saiyan, Ah non, j'ai pas. Attendez. Ah ouais, mais non, il prend directement le skin principal. Bon, on va se lancer en solo et on va aller tenter un. Alors je veux pas dire tenter top 1 parce que en ce moment on va dire que je suis à la ramasse. Mais on va tenter un peu on va tenter le truc. Puis c'est pareil, alors moi j'ai trouvé une chose qui devrait rester, c'est les duels. C'est qu'à la place d'avoir un gros point jaune, c'est en fait c'est un truc rouge qui tourne et en fait le personnage doit venir vous combattre. Alors bon, venir c'est vite dit, mais c'est vrai que c'est plus sympa. C'est plus sympa à la place de courir à droite à gauche, machin, si la personne ne veut pas vous combattre, ben elle part, mais... Moi je trouve ça beaucoup plus cool, beaucoup plus sympa. Donc le bâton, je pense que beaucoup le connaissent. Alors moi je pensais qu'il serait beaucoup plus sympa, mais c'est vrai que avec le petit truc qui le range dans le dos, donc c'est un peu l'arme, comme beaucoup d'armes maintenant, si on range, ça le range directement. Je vais me mettre en bleu. C'est moi que je me mets en gris. Mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir une petite collab. Mais c'est vrai qu'ils arrêtent plus trop de choses avec les skins. Donc c'est un peu dommage. Je trouve que c'est un peu dommage au niveau du personne. Et aussi pour ceux et celles qui essaieraient de me chercher encore sur The Phoenix sur la Xbox. Ce n'est plus The Phoenix, c'est Drake Survie maintenant. J'ai changé de pseudo. Donc, si vous voulez me chercher ou quoi que ce soit, ou que vous voulez me demander, faut me demander directement sur YouTube.
Et après... après... voilà. C'est quand même stylé quand même le système de transformation. J'arrive même à me viser au moins à cette distance, hein. Et c'est pareil, le ballon a changé, c'est clairement classe, classe même. La map change petit à petit et c'est plutôt cool. Par contre, je me pose la question si plus tard Shenron. C'est vrai que bah, Shenron est quand même. Les capsules sont apparues. Alors bon, bah là, je suis un peu loin. Je suis un peu loin des capsules à chaque fois. Une par une. Tout le monde veut les Kamehameha. Les Kamehameha sont complètement pétés à un niveau. Thank you.
Celui que je dois tuer, il est là. Juste ici. On le voit avec le point rouge. C'est Spider-Man, mais... Par contre, c'est con. C'est con pour la personne qui l'a tué, parce que... Complètement un peu... ça a toujours été le cas, mais... Un petit point de supplémentaire. Gagner de duel, ok. Et j'ai eu la deuxième boule de cristal, ok. C'est vrai que... C'est peut-être over, qu'est-ce qu'ils nous ont fait hein? Je sais qu'apparemment il y a eu... Les bâtiments ont été construits, mais je vais enlever ça, ça sert à rien. Charcou. Intéressant dans les arbres là. On va me dire ouais mais il a des deux oreilles. Non non. Je voulais voir Titan Tower, putain, j'oublie. Rigolo.
Qu'est-ce qu'on a qui est... Pas grand chose dans les bâtiments, je trouve. On va me dire, d'accord. Lyon, c'est vide. Encore des niveaux qui sont pas terminés, alors je pense que c'est normal. Ça, c'est un peu dommage. Ça c'est un coin à faire gaffe, il n'y a pas des coffres. Peut-être pas rester dans le bâtiment, parce que la zone arrive. Je vais m'entourer coincé tout à l'heure. Attendre de l'adversaire. Quoi ? Cette connerie là. Quête urgente. Bah. Pourquoi ça me met attendre de l'adversaire ? Oh putain. Ils sont tous Kamehameha. Ça c'est intéressant de les voir. Oh putain. Ça arrive tout ça. Alors par contre je comprends pas pourquoi ça me met en attente. Ça se fait à une hauteur. Par contre ça, les Kamehameha en fin de zone... La zone.
Merci les gars, ma position. Il est où? Ah, alors là, j'ai pas compris là. Oh la vache, ils sont jamais améliorés. C'est quand même une arme pétée quand même le Kamehameha. Moi je pense qu'il devrait... il devrait quand même le bloquer à un certain niveau quand même. Parce que là clairement, tu le touches une fois c'est 100. Et après c'est 40-40. Et si, si la personne ne bouge pas assez, c'est tout le temps quoi. Et là le truc c'est que je l'ai même pas vu. Je l'ai pas vu arriver. Je l'ai pas vu arriver. Bon après, c'est déjà pas mal. Un gain... J'ai gagné deux niveaux là, grâce à ça, c'est plutôt sympa. Plus une boule de cristal. Donc la boule de cristal numéro 2. Consommer de la nourriture de terrain, bon bah ça c'est pas compliqué au niveau de ça. Et puis ça c'est... Moi je pense que c'est plutôt simple quand même. Et puis donc voilà. Oui les gens, bon, petite parenthèse parce que je suis en train de monter la vidéo. Au moment que je monte la vidéo, je suis en train de remarquer que le truc n'a pas fait complètement ce que je faisais. Donc, je vais vous finir sur ça. Donc il y aura une petite supplémentaire parce que clairement il a coupé en plein milieu, je sais pas pourquoi. Donc vous me direz en commentaire comment vous trouvez la collab Dragon Ball. Vous me la noterez sur 10. Pour ceux et celles qui s'abonnent, bah, je vous remercie. Clairement je vous remercie. Et pour la prochaine vidéo, parce que là normalement quand je tourne cette vidéo, j'étais parti quelques jours moi, chez un ami. Donc, je sais pas si dans la semaine vous aurez une autre vidéo. Normalement, vous aurez cette vidéo qui va être mise soit mercredi, soit jeudi. Mais je sais pas si vous aurez une vidéo vendredi. Donc, je sais pas pour le moment. Au niveau de la génération 0 avec les robots, moi je continue de mon côté. Il y a pas mal de youtubeurs. Je vous conseille d'aller chez Docteur. Chez le docteur Ous, donc Ous, pour regarder la suite. Il est avec plusieurs personnes, c'est quand même beaucoup mieux que qu'être solo. Donc je vous le conseille d'aller regarder sa chaîne, pour ceux qui ne le connaissent pas, et pour ceux qui le connaissent, allez regarder. Et bah moi, de toute façon, j'allais peut-être pas continuer, parce que c'est vrai qu'en solo, c'est toujours un peu compliqué ou quoi que ce soit. Et je prends toujours un peu plus de temps, et c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, je vais vous laisser sur ça. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez le système du jeu et puis tout ça. Moi, je trouve que quand même, les Kamehameha sont quand même bien pétés. Voilà, c'est le jeu, et voilà. Je vous dis à la prochaine les gens, c'est Drac et on se dit à la prochaine. Peace.